Bonjour, dans cette vidéo, on va modéliser un bâche. Donc, on va travailler sa forme générale, on va faire les détails comme le bouton là, comme ce petit support en métal. Première chose, on va ramener l'image, un plan d'image. Pour moi, la photo est déjà prête. On va se placer sur la vie de dessus. Clique l'image. Dans l'onglet matériaux, on va jouer sur la transparence. Et puis, il faut que je bouge, on va dire que je déplace mon plan d'image. Où, exactement au centre de mon plan de construction. Pour cela, j'utilise la commande déplacer et puis là, il me dit point de départ. Donc pour moi, le point de départ, c'est le centre de cette image. Pour cela, cocher, n'oubliez pas de cocher centre dans les accrochages et puis approcher un peu au centre jusqu'à voilà qu'ils indiquent par une flèche, par une ligne blanche, le centre. Donc clic gauche dans l'invite de commande, donc clic 0 pour placer exactement le centre de cette image exactement au centre du plan de construction. Tapez entrée. Ensuite, on passe à la création des courbes. Là, j'ai des courbes de degré 5. Vous pouvez utiliser degré 3, 4, 5, ce que vous voulez. On affiche les points de contrôle. On fait une symétrie. On clique notre courbe. On clique sur notre courbe, pardon. Entrée, point de départ. Toujours le 0. Activer ortho et puis on passe à l'onglet courbe et puis la commande adapter une courbe. On clique sur la première courbe puis la deuxième. Dans les options là, on a tangence, on clique tangence. N'oubliez pas de cocher aussi tout en bas courbe moyenne. Comme ça, les deux courbes vont s'adapter de façon symétrique aussi. Accepter. Répétez aussi la commande. Tangence courbe moyenne. Là, j'ai le plan d'image n'est pas vraiment symétrique. Là, peut-être j'ai besoin de le déplacer un tout petit peu vers la droite, histoire qu'il soit bien centré au milieu de nos courbes. Ok. On passe à la création de la surface. Pour cela, je vais utiliser cette commande surface par section. Avant ça déjà, il faut extruder les deux courbes. Pourquoi? C'est pour pouvoir adapter notre surface en tangence. On réexécute la commande. On clique sur le premier bord et puis le deuxième bord, pas les courbes. Pourquoi? Parce que là, si on clique sur les courbes, on n'aura pas la possibilité d'adapter en tangence notre surface. Là, on a première option, adapter la tangente de départ et puis adapter la tangente finale. Vous regardez si je décoche, notre surface est plate.
Mais si je coche les deux options, là, notre surface est bien adaptée aux autres surfaces. Tout en bas, on a d'autres options, mais là, n'est pas simplifié. C'est pour simplifier le plus possible notre surface. Deuxième choix, c'est reconstruire avec, par exemple, 12 points de contrôle. Là, la surface aura 12 points de contrôle tout au long. Donc, c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que ma surface soit le plus simple possible. Accepter. On va jouer sur les points de contrôle. On va les déplacer plus bas pour donner une forme un peu plus plate. Ces deux surfaces, je n'en ai pas besoin, je les supprime. On fait une autre symétrie, cette fois on se place sur la vue de droite. Tape 0 toujours. Activer ortho. Ok. On va cacher notre plan d'image temporairement. Là, on va faire une petite analyse. Voilà, vous voyez là, on a la forme un peu générale qui ressemble au bâche. On passe. Ce qu'on va faire, c'est limiter un peu, limiter cette surface de tomba là. Pour cela, on clique sur les courbes toujours. On va créer deux lignes. Je vais réafficher de nouveau mon plan d'image. Clique sur la ligne. Une autre symétrie. Rappelez-vous, notre point de départ pour toutes nos symétries, c'est toujours le 0. Ortho activé. Là, vous voyez, parce que vous voyez que la ligne n'est pas exactement sur le deuxième bord là de l'objet. Cela, c'est à cause de notre image. Elle n'est pas exactement symétrique. Elle est prise avec un angle un peu. On fait un arc. Et puis dans l'onglet courbe, on va faire des congés. Donc deux congés. Rayon 0,8 n'est pas suffisant. Annuler. On va retaper une valeur de et voir. Parfait. On répète la commande. Pour répéter la dernière commande qu'on a exécutée, il suffit de cliquer droite sur la souris. Comme ça, la commande va se réactiver de nouveau. Donc, voilà, on va limiter. Clique sur la commande limiter. Sélectionnez les objets coupants. Les objets coupants sont nos courbes. Regardez là, j'ai plusieurs courbes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Quand je limite ma surface, les bords de la surface limitée seront composés aussi de 5 bords. En fait, parce que déjà la courbe de base, elle est déjà composée de 5 courbes. Donc si, par exemple, on limite notre surface avec une seule courbe, par exemple, le bord qu'on obtient après, elle sera un bord entier, donc il ne sera pas divisé ou il ne sera pas coupé. Là, sélectionnez les objets coupants, ok, entrée. Sélectionnez les objets à limiter, c'est la surface. La première surface et puis la deuxième surface. Attention de se tromper sur les surfaces. Quand vous cliquez, regardez bien ce que vous allez couper, donc entrée. Je cache de nouveau mon plan d'image. Voilà, là on a bien le trou.
Et puis, pour le boucher, on peut tout simplement, par exemple, extruder les deux courbes, les cinq courbes, en maintenant sur la flèche bleue, exactement sur le point, et en restant appuyé, on bouge le curseur vers le bas, et de cette façon, les courbes, sont extrudées. On va les déplacer encore tout au long. Là, par exemple, d'une façon très simple, c'est de sélectionner des objets coupants, entrée, et puis limiter nos surfaces extrudées. Donc là, ok, je peux joindre toutes mes surfaces. Et voilà, on obtient un solide. Si par exemple vous cliquez sur l'objet, propriété, là on voit on a un objet, une polysurface solide fermée. Et pour moi, après je peux faire des congés tout au long là des bords, mais c'est pas le cas parce que le bâche là il a une forme un peu arrondie, là un peu bombée. Je vais utiliser une autre méthode. On revient en arrière. Ok, cette méthode c'est quoi? C'est on a une commande raccorder des surfaces. Elle est très géniale cette commande. Sélectionnez le premier bord. Notre premier bord, c'est celui-là. Deuxième, tout en bas. Et puis, sur les valeurs, il faut les taper pareil. Donc, 1 et 1. Bloquer le cadenas. Et puis, on peut jouer sur les manettes pour avoir, pour donner exactement la forme qu'on veut. Ok, accepté. Là, ça nous a donné beaucoup, beaucoup de nœuds. Si on affiche les points de contrôle, c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Raccorder des surfaces encore. Cette fois, on clique sur ce bord et puis l'autre bord. Toujours, oubliez pas, toujours en courbure, notre surface sera adaptée en courbure avec les surfaces adjacentes. Accepté. On change la direction de la surface. Donc, pour celui-là, si je clique là, donc ça, c'est la face réelle de la surface. Ok. On va cacher nos courbes. On sélectionne les courbes standard. Voilà. Là, ce qu'on a, on a un trou. Donc, on va le boucher. Avant de boucher le trou, pardon, il faut qu'on assure que toujours dans les surfaces NURBS, les trous, les surfaces, il faut qu'ils soient quadrilatère, genre on évite toujours de boucher des trous par exemple en forme de triangle, en forme par exemple une forme de 5 bords nécessite plus de travail pour boucher ce trou, mais dans ce cas-là on a un trou qui est composé de 4 bords, 1, 2, 3, 4, mais les bords ils sont pas bien alignés, donc je vais limiter un peu nos surfaces. Donc, on clique sur polyline, on va créer une ligne. Deuxième ligne. Et puis, on va limiter nos surfaces. Ok. Là, j'ai rendu un peu le trou un peu homogène, on va dire, un peu droit. Les bords sont pas croisés un peu bizarrement. Et puis l'autre bord, je vais encore le limiter avec une autre commande, raccordement des courbes réglables. Pardon, j'ai ma voix là. Oh. Clique sur le premier bord, deuxième bord.
Option courbure, toujours. Accepter. On répète la commande. Courbure. Accepter. En limite. Toujours. Ok. Donc pour boucher ce trou, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous montrer deux méthodes pour boucher les trous. La première, c'est utiliser la même commande qu'on avait utilisée tout à l'heure, à raccorder des surfaces. On sélectionne le premier bord et puis le deuxième bord. Vous voyez là, la surface n'est pas vraiment comme ce qu'on veut, donc on va taper 1, toujours la même valeur. Et puis là, vous voyez ces manettes, pour les déplacer, par exemple les rendre alignées avec ce bord, donc qui partent dans la même direction de ce bord, on va se positionner sur le premier point de la manette. Et puis on clique sur Alt, on reste appuyé, et puis on bouge avec le bouton gauche de la souris, et vous voyez, là ça bouge dans un angle. On enlève la touche Alt pour que les accrochages ré se réactivent. On va se placer exactement au bord, et voilà. On répète la même chose pour la deuxième manette. Là, il faut recliquer sur les deux cases. Comme ça, cette commande se réactualise et puis on a la surface. Accepter. On inverse l'affichage de la surface. On ajoute des objets. Voilà, vous voyez. Là, ma surface n'est pas bien adaptée là. Donc, on va utiliser la commande spécialement pour ces situations. Donc, adapter une surface. On clique le premier bord, deuxième bord. Dans les options adapter une surface, on a plusieurs options. Je ne vais pas vous expliquer tout. Peut-être dans un autre leçon ou une autre vidéo que je vais mettre sur YouTube, je vais vous expliquer un peu c'est quoi ces options, qu'est-ce qu'ils font exactement, quand on peut utiliser une commande et quand on peut pas l'utiliser par exemple. Dans ce cas-là, je vais adapter en tangence. Et puis, je reste cette case cochée. Tout en bas, il faut conserver la direction isoparamétrique. Accepter. Tangence, adapter, conserver, accepter. Bon. On va jouer un peu sur le maillage. Voilà, vous voyez notre surface est bien criée. Les bords sont bien adaptés. Donc on n'a pas vraiment de déformation au niveau des bords encore.
je vais cacher. Deuxième méthode, c'est quoi? Tout simplement, standard dans l'onglet création de surface, on a cette commande surface à partir de 2, 3 ou 4 bords. On clique sur la commande, on sélectionne tous nos bords. Pardon, je répète la commande. Ok. Afficher les points de contrôle là, c'est très dense. Je vais voir si... Ok. Je vais recréer la surface, mais cette fois je sélectionne les courbes et pas les bords. Ok. Ajoute des objets. Affiche les points de contrôle. Ok, c'est pas grave. Donc dans la direction V, on a 6 points de contrôle. Ce qui fait qu'on a une surface de degré 5. On regarde dans les infos. Voilà, dans la direction V, on a une surface de degré 5 avec 6 points de contrôle. Il n'y a pas de nœud. Alors que là, on a sur le U une surface de degré 3 avec 40 points de contrôle. Pour moi, ça me gêne pas en tant que la surface est propre. On va adapter nos bords. Vous avez la possibilité de d'adapter plusieurs bords en même temps. Si vous regardez, si on clique droite, on peut adapter deux bords en même temps. Sur les options, je vais utiliser courbure. Adapter les bords sur les points les plus proches. Le reste coché. Conserver la direction isoparamétrique aussi. Accepter. Et on va répéter la même chose. Cette fois, on adapte en tangence. On garde les mêmes options. On va sélectionner nos courbes, on les cache et voilà. Donc on a une surface aussi plus propre avec deux méthodes. Ok, moi je vais garder cette surface. Donc je limite cette surface pour pouvoir faire une symétrie. On sélectionne toutes nos surfaces. Symétrie. Point de départ, comme on a dit, toujours 0. Option ortho activée. Ok. Là, ce bord, on va limiter le bord. Voilà, notre polysurface est faite. On clique pour voir si c'est un solide. Voilà, ça nous indique polysurface solide. Si par exemple, si c'est pas le cas, vous avez une commande là, montrer les bords. Dans cette commande, vous pouvez montrer les bords qui sont pas les bords nus, on peut dire, ou des bords libres. Dans ce cas-là, j'ai pas de bord libre. Si on montre tous les bords là, ça me montre tous les bords qui sont là dans ma polysurface. Après, on va passer pour créer cette forme là, cette forme un peu creux. Donc,
j'affiche toujours plan des manches. Voilà, donc je vais créer un cercle centre point de départ 0 et puis sa largeur à peu près ça. Dans le manipulateur, on a le carré rouge, on clique et on bouge la souris comme ça pour obtenir une forme un peu ovale. Je le déplace un peu. On va diviser notre surface, notre polysurface, pardon. Il faut que je décompose la polysurface. Voilà. On clique sur le bouton diviser. Sélectionner les objets à diviser. Pour moi, c'est là cette surface que je veux la diviser. Entrée, les objets coupants, c'est le cercle. Ok. Voilà. La surface est bien divisée. On va regarder un peu les manches. Là, vous voyez, c'est constitué, on va dire, une surface. La deuxième, c'est une surface de raccordement. On peut dire, c'est pas une surface principale. Cette surface, elle est un petit peu plus basse par rapport à la forme du bâche. Ce que je vais faire, c'est de plutôt, je vais donner un peu la forme. Voilà, la pousser vers le bas. Je vais faire une rotation. Mon axe de rotation, il faut qu'il sera là. Comme ça, pour pouvoir déplacer que ce côté-là. Donc, je vais cliquer sur ce cercle blanc. On a l'option repositionner le manipulateur en clic. Il nous dit origine du manipulateur. Pour moi, l'origine, ce sera là. Et puis direction de l'axe de l'axe X. Elle sera exactement perpendiculaire à l'autre bord ou bien au nœud. Ok, clic gauche. Là, regardez le manipulateur. Il s'est transformé donc je vais désactiver auto. Toujours notre commande raccorder des surfaces. On clique le premier bord et le deuxième bord. Le point de jointure, je vais le déplacer là. On clique entrée.
On va rajouter des forts. Des forts. J'en utilise pas fort matériel. Okay. Voilà, donc on a fait cette forme-là. On va faire le bouton. Pareil. Un cercle. On le bouge. Le déplace. Si vous regardez là, parce que c'est le plan d'image n'est pas symétrique, donc pour moi le bouton est bien placé au centre. On va utiliser la commande diviser. L'objet à diviser, c'est celui-là. Et puis, les objets coupants, c'est mon cercle. Ok. Voilà, donc on a notre surface. On va extruder le bord. Et puis un congé. Ok. Donc on va plutôt passer vers le bord un peu. Et on va pareil extruder le deuxième bord. On va joindre la porte. Ce bord. Maintenant,
Voilà. Un deuxième congé là, le rayon 0,1, et on verra. Peut-être 0,2. D'accord. Voilà. Non, trop fort. Je me suis trompé dans quelle des surfaces était. Alors on passe à la création du petit support pour cela. Je prends les deux courbes, joindre, après. On va reconstruire la courbe. Donc, on va dire 3. Très bien. Accepter. Voilà, on a créé une surface par cette commande, surface à partir des courbes
plan. Puis on va faire une commande extruder. Donc je vais la chercher. Voilà, extruder une surface. Dans les options, on clique sur deux côtés. Solide, toujours oui. On va se passer sur la ligne de droite. Comme ça, je peux voir l'épaisseur. Ok. Pour l'épaisseur, on va encore rendre plus fin, plus fine. Ok. Très bien. Ligne à partir du milieu. 0, toujours. On va couper les votes. Donc, on va faire un trou ici. On a une commande qui fait ce travail exactement. Ça s'appelle couper au fil. Donc, je clique sur la commande sélectionner une courbe coupante. Donc, pour moi, cette courbe. Et puis, il me dit sélectionner les objets à couper. Pour moi, c'est cet objet. Appuyez Entrée pour terminer. Voilà. Les directions sont les mêmes, donc on clique droite et voilà notre polysurface. Voilà. On va faire des congés sur le bord. Je vais inverser l'affichage quand je garde que celui-là. Je vais faire un autre congé là, mais plutôt d'un grand rayon. Ok, on répète. Sur virgule 2. Clique sur l'option enchaîner bord. Dans ce cas-là, il va me sélectionner tous les bords. Voilà. Voilà, parfait. Hop. Répétez, enchaîner bord. Très bien. On va afficher tout.
Et le voilà, notre barrage est bien fait. Je regarde les matchs. Bon, on va essayer de faire une série de numéros là. Comme ça, notre barrage sera identique. On va utiliser la commande de texte. Je regarde ici pour les numéros 0, 4, 7. On va taper peu importe les numéros. En 0, 4, 8. Ok, accepter, déplacer là. On va faire un boolean. Donc, dans les options booléennes, union boolean, différence boolean, sélectionner les surfaces, les polysurfaces de base pour la soustraction. Donc, c'est cette polysurface. Et le voilà. Donc je vais pas faire des congés là, des petits congés, ça va me prendre beaucoup beaucoup de temps. Donc on va laisser comme ça. Et puis on va faire un peu pour faire un très beau rendu. Je passe à la fenêtre rendu. Matériaux. On va faire peinture. On va sélectionner. Peinture, on sélectionne faire une couleur un peu, on va dire bleu. Assigner à l'objet. Le bouton, je vais le faire un peu en noir. Accepter. Très bien. Là, on va faire non. Un autre, je vais faire personnaliser pour donner un aspect du métal. On a déjà l'option métal. Je l'aime pas trop. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle fait. Ces textures de relief là, ils sont très grands. Par exemple, si j'applique une texture là, vous voyez là les petits les carreaux, ils sont très grands. Même je fais XXS, ça reste toujours en devant. Mais bon. Ce n'est pas grave, je vais personnaliser, faire une couleur un peu grise. Accepter pour une réflexion totale. Et puis la brillance, je vais la diminuer un peu, voilà, de façon que ça brille pas trop. Et voilà, je passe au lancer de rayon et on va utiliser sur le paramètre du plan au sol. Utiliser un matériau du plastique, couleur
un peu non, transparence, bon, réflexivité un peu moins, clarté un peu moins aussi. Voilà, c'est juste un petit rendu très rapide. On peut changer l'environnement pour l'image de l'arrière-plan. Je vais utiliser une image intérieure. Voilà. Et voilà, le rendu est fini. Merci de regarder, à bientôt.